La Voie lactée. Il y a une sphère bleue dont l'atmosphère est habitée par trois mondes, minéral, végétal et animal. Elle tourne autour du soleil qui diffuse une lumière vitale, assurant la photosynthèse des plantes qui, sans aucune gêne, diffuse aux quatre coins du monde l'oxygène nécessaire à la vie de chaque espèce, l'homme y compris, censé être le gardien de ce paradis, diversité de paysages, de peuples et de cultures. Aux quatre points cardinaux s'épanouit la nature. Les fleuves et les rivières sont les artères de la terre. Cette dernière est notre mère fécondée par l'univers. Malgré que certains aient voulu l'étouffer avec du béton, les racines des arbres fissurent le goudron. Peu importe que le progrès nous embête, pas besoin de lunettes pour voir qu'elle est belle notre planète. Du blanc de la banquise à la terre ocre du désert, elle est vêtue à sa guise et porte un beau manteau vert. Vert comme les forêts équatoriales, et la nuit, elle se couvre d'une guirlande d'étoiles. Sur le littoral, où mer et ciel sont confondus, le sable garde les secrets contenus dans l'océan. Car la terre a un esprit, la tectonique des plaques en mouvement prouve qu'elle vit. Quoi de plus beau, quoi de plus puissant que la vie? Et même si l'on dit que le monde est petit et que l'homme doit assouvir sa soif de pouvoir ridicule, à côté de la belle bleue, c'est lui qui est minuscule. Avec sa bombe atomique, il peut éradiquer ses semblables. La Terre est trop forte, elle reste incontrôlable. On sait que l'homme a créé la mitraillette, c'est un fait. Mais quelle est belle notre planète. Trop de sang a abreuvé notre Terre, qui a subi des guerres, paysages désolés, pollution de l'atmosphère. Elle crie « Vengeance !» à coups de tremblements de terre, et n'a que faire que le cœur de l'homme soit de pierre. Elle provoque des ouragans qui détruisent tout sur leur passage. L'homme n'est pas de taille à prévenir de tels ravages. Souviens-toi de Pompéi dans le temps. La terre ne dépend pas de toi, elle a tout son temps. Tant qu'elle tournera, la vie sera là. Ce n'est certainement pas demain la veille qu'elle s'arrêtera. Des créatures de toutes sortes peuplent sa surface. Obnubilé par le gris de la ville, l'homme a perdu la face et croit tout contrôler, tout dominer. Qu'est-ce que c'est nier? Le premier qui dominera n'est pas encore né. Même si les hommes se prennent pour des dieux et ne sont pas honnêtes, c'est clair et net qu'elle est belle notre planète. Merci.